Et salut, Hitbux. Oula, le micro est méga loin en fait. Hein. Voilà. On sera mieux là. Et salut, je vais peut-être éteindre les lumières, c'est plus ambiance Globe Horror, je reviens. C'est vachement lumineux en fait. Hein. Voilà qui est mieux. C'est un peu plus glauque. C'est sympa. Ouais, par contre, ça éclaire l'écran, bordel. Et là, c'est carrément mieux. Putain. Eh bien, bonsoir, Hitbux. J'étais en train de jouer. Enfin, j'étais en train de faire un encodage, mais je n'ai pas besoin d'être actif pendant un encodage. J'étais en train de jouer, du coup, à. Ah tiens, essayez de deviner le jeu. Si vous arrivez à deviner le jeu, badresse. Bravely Default. Centurion, est-ce que t'as déjà vu Bravely Default, bordel? Monster Hunter 4. Final Fantasy 15, quoi. Ah, Johnny Boy Smith, bravo. C'était bien ça. Xenoblade qui vient tout juste de sortir. Salut à tous ceux qui arrivent. Putain, il y a encore des reflets sur l'écran, c'est trop chiant. Je reviens. Voilà, c'est mieux. Ah, c'était pas Pac-Man? Non. Il y a de l'écho. Non. Par contre, ça grésille peut-être. Hop, ça sera mieux là. Ah, Maxime du 3DS de Salrich. Que j'ai payé 50 euros de moins, sinon j'aurais pas pu. Salut Sandri, salut Frixi, salut tout le monde. Ce soir, Double Vitel et Belvita. Attends, j'avais fait une super blague. C'est vrai que c'est une Belvita. On voit pas trop là, mais c'est une PS Vita. Double Belvita. Je veux mourir. Tu nous fais attendre parce que tu joues avec Xenoblade. Ah non, pas du tout en plus. Je faisais juste avancer le scénario pendant que je préparais le live, mais. Du coup, je finissais un encodage pour McCornish, justement. Ah, attends, Evinuator, plein d'annonces. Tu te fous de ma gueule. Ouais, le monde 200cc, ok. Fire Emblem, ok. Le côté puzzle, le jeu puzzle machin, on savait déjà, mais ok. Et sinon, y a pas grand-chose, quoi. Franchement, c'était pas ouf quoi. Ex-Master Snake, pardon, tu fais une erreur. Tu devrais avoir une Vita. C'est la vie. Sortie de McCornish prévue dans 3 mois. Seulement. Le RE2, c'est celui qui se passe dans le commissariat, non? Ouais, je crois, ouais. L'amiibo en laine, n'oublie pas. Alors, projet 05, ok, mais ça va être. Vraisemblablement une merde. Shin Megami X Fire Emblem, enfin Cross Fire Emblem, oui, mais je connais pas Shin Megami et j'aime pas trop Fire Emblem. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que je
qui m'y intéresse pas. Je dis pas que c'est des mauvais jeux, attention, pas du tout. Je sais que c'était les gens du jeu vidéo, mais moi ça m'intéresse pas, donc voilà. Ce n'est pas normal, personne qui a dit que je faisais pas de bruit. Ah, l'heure d'animal, je suis content que tu aies regardé Oculus. Regardez Oculus, excellent film. Vraiment, qui fait peur. Mais qui fait pas ultra peur. C'est plus un film fantastique qu'un film d'horreur. Mais il fait peur quand même. Salut. Ozzy. D'ailleurs, Maxime, t'as vu le DLC Dark Souls qui est sorti? Alors, en fait, c'est juste un mode 64 bits payant. C'est un petit peu dégueulasse. Enfin, genre, grave dégueulasse, en fait. Et genre, ils ont modifié 2-3 trucs, optimisé 2-3 trucs, mais c'est un patch payant. Enfin, et en plus, qui fait que si tu as un PC 64 bits, enfin, si t'as deux PC, par exemple, un 34 bits et un 34 bits, moi, un 64 bits et un 32 bits, tu dois acheter les deux versions. Trop bien! Et elles sont pas intercompatibles. Trop bien! Maxime t-shirt de la semaine. Ouais, j'ai changé de t-shirt hier et j'ai rechangé en me levant. Donc, j'ai décidé de le remettre. C'est mon t-shirt de la semaine maintenant. J'aime beaucoup Nintendo qui se vante presque d'avoir tout compris au DLC et qui fait aujourd'hui DLC, 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 DLC. Ouais, mais c'est faux, ils font aussi Amiibo, Amiibo, Amiibo. C'est notre nouvelle forme de DLC. C'est trop drôle. C'est leur version 3D, enfin New 3DS, parce qu'il n'y a que sur New 3DS comment ça s'appelle, de Xenoblade. Il y a une fonctionnalité Amiibo. Donc c'est le premier jeu à avoir une fonctionnalité Amiibo sur New 3DS. Parce que je le rappelle, la 3DS de base n'a pas de capteur Amiibo. Ils vont vendre un accessoire pour pouvoir le faire, mais bon bref. Et c'est quoi cette fonctionnalité? C'est gagner 3 jetons. Si t'as l'Amiibo Shulk, c'est le seul qui marche, tu gagnes 3 jetons pour une espèce de loterie en fait à la Super Smash Bros. Qui te permet de gagner des trophées. C'est tout. Ah, si je me lave pas, je fais comment pour avoir des cheveux comme ça? Il est classe, hein? Et j'ai un t-shirt aussi qui plaira à Nel. Je pense qu'il te plaira à Nel, ce t-shirt. Ah oui, Smash Bros aussi, c'est vrai, Katoziris, t'as raison, excuse-moi. Non, non, c'est pas un Amiibo, enfin, mais ça sert, enfin, ça sert vraiment à rien, quoi. C'est genre une fonctionnalité qui ne sert à rien. Salut tout le monde, salut, salut Bumblebee. Ça va? Putain, ça faisait longtemps que j'ai pas réussi à capter un live, ça fait plaisir. Il faut s'abonner à la chaîne Hitbox. Je veux le même micro que Maxime. Eh bien, c'est un Blue Yeti Pro, mais tu peux te contenter du Blue Yeti qui est excellent. Le Blue Yeti Pro n'est utile que si tu te branches en XLR. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, en fait, les t-shirts, je les reçois dans des box qui ne coûtent pas très cher. Et la 3DS et la Vita, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Et la New 3DS, je l'ai eu à, comment ça s'appelle, à un prix défiant toute concurrence quand même. 150 euros, ça vaut le coup. Unskilled, salut! C'est aussi utile que les cartes vendues avec la PS Vita. Ouais. Mais encore, c'est les cartes vendues avec la PS Vita, tu peux faire quelque chose, quoi. Là, avec tes amiibo, tu peux les mettre sur un petit truc qui dire, voilà, ça m'a coûté 15 euros, parce que c'est le prix de base. Bon, en vrai, tu peux en trouver facilement à 12 euros, mais bon, ça m'a coûté 15 euros, ça ne sert à rien. Matériel qui te donne le... Ouais, mais encore, Jésus-Béry, c'est que... Enfin, c'est vraiment pas intéressant du tout. C'est-à-dire, si tu aimes collectionner des petites figurines, oui, mais enfin, il y a des belles figurines vachement moins chères que ça. Et vraiment plus belles. Partenaire, oui, effectivement, si vous n'aviez pas vu, nous sommes devenus partenaires. Vous pouvez subscriber pour avoir accès si vous avez envie, je le rappelle, hein, ne le faites pas comme ça. Ah, c'est Smiley notamment, et le petit badge que quelques personnes ont sur le chat, et voilà, et surtout ça nous soutiendra, mais bon, faites-le que si vous avez envie.
Bob est parti au Portugal. Le film Oculus, c'est Sodomossi Miroir. Alors oui, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé. Enfin, pourquoi ils ont changé le titre, parce que en France, ils l'ont appelé The Mirror. Alors que le film s'appelle Oculus. Donc, enfin, je sais pas. Mais oui, c'est même pas drôle de jouer avec Tierce, pardon. Mais c'est ça n'a pas d'intérêt, quoi. Franchement, Evil Minato, la Wii U est une bonne console. Mais les. Enfin. Les animaux ne servent à rien, quoi. C'est ouf. C'est juste ouf, quoi. Vous pouvez dire bide sans rien risquer. C'est vrai. Ou dire. Mirror, c'est peut-être pour le Québec. Miroir, peut-être. Mais Mirror, c'est clairement le nom en France et je trouve ça stupide. Donc, ce soir, nous allons jouer à Resident Evil 2, le seul, l'unique, le vrai, que je n'ai jamais fait. Alors, est-ce que je commence par l'histoire de Léon ou est-ce que je commence par l'histoire de. Je crois que c'est Claire. Je crois que c'est le premier jeu où on contrôle Claire Redfield. Putain, à chaque fois que je dis Claire Redfield, j'ai l'impression de dire. Merde, le chanteur de Metallica là. Je sais pas s'il ferait ça, Ninaraf. Mais ça m'étonnerait presque pas, quoi. J'ai pas vu Vaca. J'étais en train de cliner Vaca. Bob au Portugal, et il nous dit va, vu mec, c'est d'accord. On va dégommer du zombie et ça va chier! Sachant que hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a eu l'adresse de. Ouais. Peut-être que j'ai menti. C'était aussi le 1er avril. C'est ça qu'il faut retenir. J'y ai déjà joué, mais voilà. Alors. FNAF 3, je le ferai. C'est juste que là, je suis pas super motivé pour le faire. Mais je le ferai. Promis. Tu bindes une touche pour passer d'un écran à l'autre sur OBS. Si c'est OBS que tu utilises. Non. Non, je vais sélectionner moi-même. Comme une petite pute. Hop, hop. Resident Evil 2. Donc, je commence avec Claire ou pas? Claire, ah bah puissance patate, là, vraies armes pour qu'ils font pampon. D'accord, donc il vaut mieux Léon. Pour le prochain Yoshi, il y a trois amiibo, un Yoshi rouge, vert et bleu. Je trouve ça super utile d'avoir trois fois la même figurine perso. Mais ouais, mais tellement. Et puis, enfin, en laine, je veux dire, ce qui justifiera totalement son prix de 25 euros. J'en sais rien, mais. Il faut que je prenne Claire. Claire. Putain, vous faites chier. Vous dites Claire, c'est bien. Claire. Non, aussi, ne fais pas ça, s'il te plaît. Prends Léon. Commence avec Léon si tu veux les scénarios les plus intéressants. Prends Léon. Ouais, je vais prendre Léon. Hashtag je plaisante. Léon égale difficile. Lion égale difficile. Ah, mais si c'est difficile, je vais mourir. Vous avez conscience de ça. Et ça va pas être drôle pour vous. Ni pour moi. Par contre, je vais utiliser des save states. Hein. On n'est pas en mode gobi épique. Hein. D'accord. La vraie version pour le lore, c'est A et ensuite B. D'accord. Falon. Putain, il y a Abe sur le. Jizuberi, tu ne vas pas beaucoup dormir. Hein. Alors, Run ISO, Resident Evil, Léon. Wow, il y a eu un joli bug. Hop. Ah,
Désolé pour vos oreilles, Virgin Interactive n'est pas très tolérant. Ouf. Ça va la leçon ou pas? Je crois que ma manette s'est débranchée, je crains qu'il ne faille relancer le truc, mais bon. Ouais. Attendez, je check, mais... Ouais, bon. Je relance. C'est un peu relou quand on avait ça. Hein. Hop. Voilà. Du coup, vous allez revoir cette intro de la mort. Passer les vidéos maintenant en appuyant 50 fois sur la touche start. Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre? Bouton config. C'est quoi auto? Hey Jimlao, je ne t'avais pas vu. Enfin, je t'ai vu dans le commentaire de Vaca, donc. On va laisser Vaca, on va laisser type A. Ah, j'avais pas vu lower attack, c'est quoi? Bas plus R1, hyper attaque, bas plus R1. Donc pour vous, le vrai ordre, c'est de commencer avec... Putain, mais vous faites chier. Hop. Eh ben, on va se mettre en easy. Voilà, c'est ce que vous avez gagné. Par contre, c'est en anglais, hein, je précise. C'est genre obligatoire. C'est pas un choix, c'est comme ça. Salut, genre d'animal. Je vais essayer. Un incident bizarre. Ah, Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-virus. Donc c'était le virus T. Created by the International Enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation in the affair. Salut, l'évêque. Thanks to the efforts of Stars members Chris Redfield and Jill Valentine. Il y a pas de sous-titres, je suis désolé. J'ai pas réussi à mettre le truc en français. Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Putain, c'est un des premiers trucs à utiliser le pouf. Putain, on sera un peu dans GTA, non? Waouh, ce bruit de talon. Putain, ce physique de beau gosse. Je suis désolé, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a rien. Exploser à tous les coups. C'est sur émulateur, effectivement. Man, what a mess.
Merde. Un zombie peut-être. Tu sais, je dis rien. Date regard. What are these things? All right, that's far enough. Don't move. Don't move. No. Ah ben là, il s'est tiré. On dirait qu'elle pleure, c'est triste. Non, nique pas ses balles, j'en aurais besoin. C'est supporteur du PSG. Wait, don't shoot. Get down, get down. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Cours comme des coureurs. Back it up. Get down, get down. What's going on? I arrived in town and the whole place went insane. The radio's out. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Ça c'est cool pour un flic. Claire Redfield. I came to find my brother Chris. Chris Redfield vient chercher Chris. On l'a sauvé l'autre fois, il est dans l'hélicoptère avec comme s'appelle Alex. Non, c'était pas Alex, c'est je sais plus. Alex est dans PD, mais je sais plus c'est là. There's a gun inside. Better take it with you. C'est ça. What the fuck? Putain, il y avait un lion zombie dans le truc. Il est sorti trop bien. Ça va. Haha, One Piece, le manga. D'accord, mais c'est pareil du coup par ce camion qui explose. Si Vaka Vaka Alex, c'est le pilote d'hélicoptère dans Payday. I'll meet you there. Okay. C'était vraiment Léon zombie, c'est bizarre. Ils étaient portés pour une escapable de Stiddy. C'était juste le début de leur pire cauchemar. Oh mon dieu, je suis devenu un tank. Oh mon dieu, c'est mon pire cauchemar. Ah, oh, oula. Va-t'en. Et donc on peut se dégager, d'accord. Très bien. Comment on fait pour courir? On fait comme ça. Ah merde. Va-t'en, va-t'en. Putain, on se déplace vraiment comme un tank, c'est horrible. Gun and Shop Kendo. Ça a l'air d'être là. La carrière de Pingu est tellement quoi. Bon, ça va. Freeze, freeze. Who are you? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Hey, tu te retiens, je suis un putain d'humain. Oh, t'es saoulé à propos de ça. Je croyais que tu étais un d'eux. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Attends. Je n'ai même pas un indice. Par le moment où j'ai rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas d'incorrect, cette entière cité était infectée de zombies. C'est trop bien de faire la traduction directe. Non, je n'ai jamais fait le jeu. Mais je connais le début un peu. Tu devrais être un coffre intérieur d'ici. Merde, j'ai pas vu. La deuxième partie. I'm keeping a close eye on things. Je garde un œil fermé sur les choses. Alors tout va bien. La case est cassée. Il n'y a rien du sful à l'intérieur. Cette case est cassée. Il n'y a rien du sful à l'intérieur. Non, tout va bien.
Ah, là-bas, je crois qu'il y a des cartouches. Par contre, le fait que, que tout soit adouci avec l'émulateur, ça rend le truc. Putain, j'ai un nombre de balles qui est hallucinant. J'ai 130 balles. Des trinkets inutiles encore plus. What the fuck? Ouais. J'étais pas censé être safe. Brains. Mais ils mangent pas les cerveaux. Les zombies n'ont jamais voulu le cerveau, c'est infecté peut-être, mais. Alors, est-ce que mon. Putain. Je suis parti mal avec les déplacements. Oh là. Oh là. Eux, je sens qu'ils vont venir m'attaquer. C'est lui, Captain Cool. Alors, ma main est-elle derrière ou devant la porte? Là, elle est derrière, là, elle est devant. Alors, je vais faire la première safe state. Je suis désolé. Mais parce que si ça plante, je vais me suicider en fait. Pour être franc. Laissez-moi deviner, ils vont me péter la porte et vont me poursuivre. Gagné. Ah, il faut s'en aller. Comment on fait pour courir déjà? Ils ont fait un bruit là. C'était assez drôle. Là, c'est bien pour viser là. Pan. Pan. 2. On compte le nombre de balles. Hein. Je le rappelle. Merde. 3. 4. 4 balles? Ok, c'est bien. 1. 2. Ah, il y en a plus. 3. Non, 1. 3. 4. D'accord. 1. D'accord. Bon, ça va. Voilà, c'est comme ça qu'on tire dans Resident Evil. Alors. D'accord, ça c'est mon truc. Combiné avec ça. Bam. Ouais, en fait, ça va vite descendre quand même. Bon, bah ça va. Tout le monde est mort. Ah, oh, ouais, 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 non, 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 non. Une balle dans le genou. Ah non! Mais va-t'en! Et lâche-moi! What? Ce. C'était son cerveau. Putain, il donne des coups de surin là. Là! Dans les couilles! Là! Dans les reins! Bon, par contre, Captain Cool, ils ont raison, il faut qu'on vérifie que c'est bien toi. Lors du précédent live, qu'as-tu dit à 20 minutes 34? Putain, regardez. Là. En dessous de Blood and Dance, c'est un iPhone. Ils ont mis un iPhone, putain! Non, ça ressemble plus à un BlackBerry, en vrai. Oula, deuxième porte du jeu. Troisième? Troisième. Combine le couteau avec le flingue. Mais oui, putain! Bam, vous avez obtenu une méga arme. Trop bien. Putain, il y a la vie de recherche. Il est disparu. D'accord. Il sait bien comment il grimpe. Là, il va y avoir un zombie, là. Même pas. Il y a beaucoup de... Step 1. Ça, c'est pas un zombie. Ça, c'est juste une meuf qui joue, le mec. Putain, il va descendre. Ça va être trop drôle. Son ombre le suit, mais bizarrement. Coucou, les potos. Putain, j'ai trouvé des munitions alors que j'avais même pas vu qu'il y avait des munitions. J'ai vraiment cliqué au hasard. Donc là, je suppose qu'il faut faire ça. Putain, il y a des zombies meufs. Trop bien.
Attends, ça le touche pas là? Et là, ça l'a touché elle! D'accord, donc j'ai des balles un petit peu bizarres qui rebondissent et qui vont sur les côtés sans doute. Hop, salut! Ils font tous le même bruit. Ils ont le même t-shirt. Ça doit être des fans d'un groupe de métal. Il y en a un qui bouge genre... Il a deux visages si vous regardez bien. C'est un peu bizarre. Alors, Centurion Maximus, le prochain Armol, et tu les virais ? Il est immortel en fait. Sérieusement, il est immortel ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce sont des clones zombies, bah oui, c'est ça. Tease but a scratch, ouais. C'est vraiment ça, ouais. Je sais pas ce qui fait ce bruit, mais j'ai pas hâte de le découvrir. Qu'est-ce qui fait pouli, pouli, pouli? C'est pas une charade, hein. Qu'est-ce qui fait prout prout? Ah, oh là, vous avez l'air content, les mecs. Et terminez votre repas avant de me poursuivre. Alors, je précise que... ouais, c'est possible qu'il soit moins beau. Qu'est-ce que tu regardes par terre? Oh merde, il y a quelque chose qui m'attaque. Ah merde, ça semble évident. Attends, comment elle fait pour crier alors qu'elle a plus de tête? Ah non, c'est lui qui crie. Pourquoi il tremble? Ah merde, enculé, mais... Oh, je suis blessé du coup. Putain, je suis en cochon. Attends, tu me dis pas ce dont j'ai besoin ou pas, enculé. Qu'est-ce que je peux... Y a pas de remake GameCube, Tom Valek. Y a pas de remake GameCube du 2. Qu'est-ce que tu regardes, Léon? Il n'y a aucun signe de vie. Oui, c'est un zombie. Bon, attends. Non, mais je suis foiré. Je comprends pas les touches, en fait. Non! Putain, j'arrête pas de foirer les touches. Je vais mourir, c'est obligé. Ouais, voilà. Parce que j'arrête pas de foirer les touches. Ouf, éjaculation. You did. You died. Oh mon dieu, je suis djihad. You djihadist. Ah oui, genre, et là, en fait, je vais devoir charger ma partie et ça fera... ça. Et là, il va faire... Alors, vous n'avez pas sauvegardé? Vous êtes un fils de pute? Bon, c'est pas grave. J'avais prévu cette éventualité. Ah mais du coup je peux les tuer à l'avance. Bande de merde. Mais non, mais je veux pas arrêter de me faire utiliser des trucs, bordel.
Oh mon dieu! Il y en a peut-être plus, hein? On sait pas, hein? Non? Et voilà, ça t'apprendra à être un zombie. Enculé. Donc quand ils tombent en arrière, c'est qu'ils sont morts. Quand ils tombent en avant, c'est qu'ils fake. Mais il a l'air bien mort pourtant l'autre. Pourquoi il a pas de sang? Il va se relever, il va me faire peur. Ouais. J'aime bien le coup de la petite gifle. J'aime bien le fait qu'ils continuent à bouger quand ils sont au sol. D'accord, ben je te crois, Clem. Ils font des tonnes de remerte dead. Eh, faut que t'apprennes à... T'as écrit deux fois remerte red. Qu'est-ce que c'est que remerte red? Ça ne veut rien dire. Merde, je me suis planté de touche. Remerte red, quoi. Il voulait dire remastered. Et mais ça s'écrit pas comme ça. Déjà. Chut, j'écris trop vite. Quand tu l'écris deux fois de suite mal, ça veut dire que tu l'écris mal tout le temps. Pour la peine, ce genre de langage est puni par la loi. C'est un timeout du plaisir, effectivement. Ceux qui sont nouveaux, ne vous inquiétez pas, vous ne risquez aucun timeout en faisant ce qu'il a fait step one. Mais c'est lui, quoi. Bah. Je pense qu'il a pas lu de Lovecraft. Hein. Il n'a aucun respect. On va attendre qu'elle s'enlève. Boum. Et eux, on va les tuer direct. Si j'arrive à trouver les bonnes touches. Il aime pas les balles dans le torse. Hein. Ah, une balle dans les couilles. Ça, il aime pas non plus. Hein. Ça, c'est cool. On peut les achever. Je crois pas que c'était le cas dans l'autre. Hein. C'est-à-dire que si là je fais ça, le nombre de balles est réellement bien compté. Est-ce qu'il y a du sang ou pas? On ne sait pas. Hein. Si, il y en a. Alex W. Tull. J'attends que tous les zombies arrivent et après je vais sauvegarder là. Attends, il saigne déjà du bide? Étrange. Sauvegarde! Sauvegarde, tu. Sauvegarde, tu. Sauvegarde, tu. Faut pas tirer sur les couilles. Faut pas tirer dans les couilles. On va faire F1 pour voir si ça marche tout à l'heure. Bon, ils arrêtent pas de bouger, ils ont l'air de pas aller bien quand même. Alors là, il faut que je cours, je me rappelle. Il faut que j'évite le mec. Ouais, je vais pas y arriver encore. Ah, je peux peut-être piquer la sauce, non? La sauce, n'importe quoi. Par la sauce, j'entendais l'essence. Hein. Mais j'ai dit la sauce. It happens. Il a pourri son jean.
Putain, le nombre de balles, quoi. Le mec, il se balade avec 160 balles. Je veux dire, merde, au bout d'un moment. Il était trop triste, le zombie. Oh non. Il fait ouh. Oh, pauvre petit zombie. Il est triste, petit zombie. Il n'y a pas d'objet caché dans cette merde. There's no side of life. There's no side of life. In the side of life. J'ai ramassé des petits copeaux de verre et je me suis niqué les doigts. Alors c'est là où on est mort, hein. Tout à l'heure, il va falloir prendre garde. On va sauvegarder encore. Mais Captain Cool, c'est pas, je pense que c'est parce que je suis en mode facile. J'ai mis facile au début. Alors attends. Toi tu vas t'en, voilà, toi aussi. Ah non, j'arrive directement dans les bras de l'autre. Non, mais arrêtez de me confondre. Ah non, il y en a encore. Ah, mais tous mes camarades flics m'attaquent. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et j'aimerais bien cheater Frixy, mais même pas. Tout va bien. Putain, on dirait trop qu'ils peuvent passer à travers la porte, ça fait peur. Je peux pas? Ah si, d'accord. D'accord, il faut activer les escaliers. Ça, c'est bon à savoir. Putain, j'ai de la green herbe. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose à prendre ici? Non. Ciao! D'accord, donc c'est là que je dois aller en fait. Est-ce qu'il y a une autre green herbe? Non. Alors par contre, eux, ils vont être là. Non, ça va. Hop! Eh bien, nous voilà au commissariat! Tout va bien. Pas beaucoup d'insultes, c'est vrai. Oui, Chronoap, tu as raison. On peut croiser le pilote. Waouh, il est devant un carton. Trop bien. Je sais pas pourquoi je le sens pas trop, je vais sauvegarder là aussi. C'est fermé électriquement. Est-ce que je suis rentré par une des grandes portes ou une des petites portes, on ne sait pas. Putain, ça va me faire chier le coup d'escalier. Une vieille fontaine et il y a marché que pour obtenir la clé à votre cœur, il faut attendre que la licorne. Il faudra attendre la licorne, c'est le belle bête. Donc il faut récupérer un truc, encore une énigme à la con. Il y a des énigmes même dans les commissariats, quoi. On n'a pas fini, c'est moi qui vous le dis. Ah, un ordinateur. Oh, des bulles. Un ink ribbon, j'en ai que deux. Est-ce que vous utiliserez le computer? Oui. Door lock service. All side doors locked. The side can be unlocked by card key. Ok. C'est bien, ordinateur, tu me sers à putain de grand chose. Bon, bah, du coup, on va sauvegarder à la régulière. Pour le dire, quoi. Bon, on a fait le tour. On va regarder la map. Pas beaucoup d'indications sur cette map à la con. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. Faire notre enquête. C'est fermé, putain d'enculé de merde. Je suis désolé, très méchant de ça. J'ai pas de temps.
Oh mon dieu. J'ai compris. Oh merde. Who are you? Qui êtes-vous? Oh. You must be the new guy. Tu es le nouveau. Leon. Leon, je t'ai touché un petit peu le pas. Désolé. It looks like your party. On dirait que votre fête d'arrivée a été annulée. Qu'est-ce qui s'est passé? About 2 months ago. Il y a 2 mois ça. There was this incident. Il y a eu cet incident involving zombies. Qui a involué des zombies dans un manoir qui était en dehors de la ville. Chris et les autres membres du Star ont découvert que Umbrella était derrière tout ça. Ils ont risqué leur vie pour révéler la vérité, mais personne ne nous a cru. Pas très longtemps après, tout ceci a commencé à se passer. Tiens ça. Ne t'inquiète pas pour moi. Sauve les autres. Dans les autres chambres, dans les autres pièces. Prends cette keycard. Tu seras obligé de. Tu pourras débloquer toutes les portes. Allez, va-t'en, va. Mais. Mais va-t'en, putain. Putain, et tu me menaces pas avec ton gun, quoi. D'accord, mais je reviens pour toi. Mais t'es malade, ne reviens pas pour lui. Il aura une arme et ça sera un zombie. Putain, il s'est enfermé, l'Oculus. Oh, quel Oculus. Hop, nous allons ouvrir la porte. Allez, ouvre la carte. Yes. Ok, donc j'ai ouvert la porte dans... Est-ce que la porte derrière là est ouverte? On ne sait pas en fait. On n'a pas testé. Est-ce qu'il y a une porte en fait? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a vraiment? Mais je sais pas bien regarder s'il y en avait une ou pas. Ouais. Il n'y en a pas. Très bien. J'ai débloqué une porte en haut. Hop. J'ai testé Revelation 2, j'ai même fait un live dessus. Ah, un coffre. Putain, il y a même des sprays pour me soigner dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Ah merde, c'était de la merde ce que j'ai fait en fait. J'aurais dû prendre un spray. J'adore ces bruits. Voilà. Tout va bien. Everything is fine. Alors. Mes mots de la police. Alors, le 23 août 98. Cette lettre, c'est juste pour informer tout le monde à propos des rêves, des récents mouvements d'équipement qui ont apparu durant blablabla. Alors, le coffre. Avec un code à 4 chiffres a été déplacé dans du truc des Stars jusqu'à l'office machin avec le code 2236. Donc 2236. Très bien. Ça, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Arrête de toucher tous les boutons, s'il te plaît, Maxime. Il n'y a rien d'extraordinaire. Oh, là, il va y avoir... Ah. N'allons pas par là-bas. D'accord, donc il y a déjà des monstres. Un quadra 4 doigts. On a tous vu ce monstre, hein. Je crois que j'ai désarmé mon pistolet. Il y a un bruit très chelou. Je vais sauvegarder maintenant. Hop. J'espère que je vais t'en vie, hein. Oula, des cartes à eux. Ça
Ça va, il a plus de tête. Une open switch connectivée, c'est the corset cut. La tête semble avoir été arrachée. C'est fermé. Oh putain, vidéo. Ah merde. Ça c'est dégueulasse. Ah c'est vraiment dégueulasse. Oh boy. Oh boy. Mais ça met une heure à tuer. Ouais. Putain. Mais il m'a quasiment tué. Attendez, je vais le refaire. Hop. Vidéo, vidéo. C'était vraiment très intéressant. Putain, il fait un de ces bruits. Oh boy. Oh boy. Trop drôle, trop drôle. Trop drôle, quoi. Le jeu qui... Putain, on en arrive exactement au même point, sauf que j'ai des balles en plus, quoi. Donc il leur faut 8 balles. Mais c'est chaud, quand même. Oh mon dieu de merde. Putain, j'ai failli crever, quoi. Moi, je vais rechercher de la vie. Hop. C'est triste. Hein. Je vais mourir quand même. Je vais peut-être me déséquiper du couteau. Hein. Je connais Parasite Eve, effectivement. Enfin, Eve, comme on dit. C'est vrai que ça pourrait être cool à faire en Globe Horror, surtout que là, franchement, l'émulateur est super stable. Quoi. Depuis le début, on n'a pas de problème. Le... Ah mon dieu, il a disparu. On vous donne des herbes vertes pour vous soigner de la blessure mortelle qui vous a fait. Bon, ça marchera peut-être pas par contre. Vaca qui se plaint de bosser dans une mairie, quoi. T'es en stage de brevet, c'est ça? Stage de collège? J'ai peur. J'ai peur. Oh non, ça va. Putain, mais j'espère qu'on va pas retomber sur un liqueur, cela. Ok, donc ça, ça va exploser. Il va y avoir un truc qui ressort ici. Nothing strange. Des orties sur tes blessures, c'est trop ça. Je sais pas si c'est des un joint ou des orties. Mais ouais. Juste pour dire ça. Time out. Hop. Bon. Une salle de classe. Ah non, ah non, je suis con. Toujours dans le... Oh là là, il y a plein de junk. Il y a des junkies. Personne ne laisse ses balles ici, non? Ah, si, il y a une note là-bas. Attendez. Report de l'opération.
Opération report. Septembre 26 TH. La police des ratons laveurs a été attaquée par des zombies. Beaucoup d'entre eux étaient blessés, ces zombies. Il y en a d'autres qui m'ont même été tués par les ratons laveurs. Durant cette attaque, notre équipement de communication a été détruit et nous ne pouvons plus contacter dehors. Il faut sortir par soi-même, c'est compliqué. On avait décidé de porter une opération avec des intents et de sauver le maximum de survivants. Si on pouvait prévenir ce désastre de se répandre jusqu'à la ville des ratons laveurs. Les détails de cette opération sont les suivants. La sécurité de l'armement et des munitions. Le chef métal... C'est nul. Le chef métal a... Non mais Captain Cool, enfin, je pense sincèrement que tu es peut-être stagiaire en mairie, mais je pense sincèrement que tu fais un travail on ne peut plus important que celui que peut faire Vaca. De même pour toi, Nel, la fois où tu as travaillé en mairie. Alors, les terrorismes du... voilà, il y a eu l'attaque. Oh là là, c'est malheureux. Donc, pour machin... D'accord, donc il faut retrouver le truc. Et c'est David Ford qui l'a enterré. Putain, mais il y a 10 000 trucs. Alors, ah bah là, il parle de la créature. Donc c'est Licker, hein, c'est bien ce nom-là. Eh ben c'est la mer, mon petit Léon. T'es pas dans la merde, mon petit Léon. T'es carrément dans la caca, mon petit Léon. Qu'est-ce que fout une armure médiévale ici, s'il vous plaît. Une peinture, le titre est Un sacrifice au feu de l'enfer. Moi j'en ai rien à foutre, je vais allumer le feu. Oh, mon dieu. Un diamant. Un diamant rouge. Ça doit être. Mais oui, c'est ça. Une émeraude. Ah, j'ai trouvé des balles. J'en ai que 205 sur moi. Je veux dire, 205 balles de pistolet sur moi. Je pense qu'on me pousse, j'explose. Sauvegarde. C'est vrai qu'il n'y a pas de sexualité. Pour l'instant. Ah, avec le liqueur, c'était assez sexuel. Oh là. Qu'est-elle? On se calme, mademoiselle. J'utilise quelques-unes de mes 200 balles pour vous tuer. Ne vous inquiétez pas. C'est les soldes. Qu'ai-je fait? Ce regard, ça fait vraiment... Oh mon dieu, mais qu'ai-je fait? Oh, il y a un beau petit cul quand même. Ce serait malheureux si ça venait à se perdre. Bande de salauds, à cause de vous, je suis passé en dessous des 100 balles. Je ne sais pas si j'arriverai à m'en tirer cette fois-ci. Oh mon dieu, il y en avait un autre. Il était caché derrière son slip. Est-ce qu'il est... Il a saigné, ça y est, c'est bon. Qu'ai-je fait? J'imagine vraiment bien faire, qu'ai-je fait? C'est pas une plante verte, je peux pas la sniffer. Même pas un petit peu. Je vais en prendre une. On sait jamais ce que ça peut être. Et je vais la mélanger à l'autre.
Et voilà. Ah oui, ça ressemble encore moins à quelque chose. C'est drôle. Je sais pas pourquoi cette porte-là. Ça aurait pu être une autre. C'est bon, un coffre. On est safe. Take it easy. Everything is fine. On va laisser mon putain de couteau parce que j'en ai rien à foutre. Et on va garder le reste parce que je pense que c'est vital. Je suis vital et je le reste. T'as la peau et t'as la geste. Ouais, on va prendre Tearing Ribbon, mais on va pas... Mon Dieu, c'est fermé. Il faut une clé spécifique pour l'ouvrir. Comme souvent avec les choses qui sont fermées. Opération Report 2. Ça y est, c'était le tôt le matin, des zombies sont venus, c'était la merde. Donc du coup, on a décidé de se barrer, mais on n'est pas réussi, on est mort. D'accord, donc la clé est bien de Western Office. Très bien. Hop. C'est un enculé, il me fait rater toutes les touches que je fais. Voilà. Ah, un atelier. Je vais pouvoir fabriquer des petits trucs. Ah non, c'est un truc pour développer des films. Ah, on va faire le coup du... Allez, va. Si vous êtes gentil, on va faire le coup de la photo. Il va falloir cliquer beaucoup de fois. Et être patient. Tout à fait, Captain Cool. Et ça m'a fait beaucoup rire que tu dises un marron. Qu'est-ce que tu dis, marron? Un marron, et oui. Donc, leave the machin room open. Eh bien, c'est dommage, parce que c'est qu'est-ce que quelqu'un a fait. C'est fermé. Il y a un diamant. Mon Dieu, ça doit être l'émeraude que j'ai trouvé. C'est un diamant en fait. Waouh, regardez cette... Waouh, cette vidéo était belle. Et on vous en remet une deuxième. Directement après. Quelque chose est écrit sur l'aventure. Le dieu du soleil et le dieu de la lune. Il regarde... Ouais, et la seule chose qui peut... Eh bien, je vais utiliser ce que j'ai. C'est-à-dire ça. Oh, tu fais chier la queue. Attends, ça a marché ça? C'est quoi ça? Ah mais il faut qu'ils se regardent à tous les coups. Putain, c'est relou. Franchement, les déplacements sont abominables. Voilà. J'ai envie de me suicider un petit peu. Oh non, ça n'a pas marché. Ça va, 5 kilos de balles. C'est juste très lourd. Et très chiant à porter, à mon avis. Ça marche pas avant ça? Ah, il y avait des balles dans son cul. Ah, d'accord, il y a des supports ici. Et du coup, il y a un autre support là. D'accord, ok, j'avais pas vu. Tout va bien, c'est easy.
Bon, ce jeu est bien pour l'instant. Je comprends qu'il ait eu succès. Et je trouve qu'il est même plus dynamique que le 1, même dans la version remastered, quoi. Ce qui est pas gagné, enfin, je veux dire, franchement. Et voilà. Et elle va tomber. Bam, elle est cassée. Bravo, t'as cassé un diamant. T'es heureux, j'espère. Enculé. Ça, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il peut pas mettre deux diamants ensemble. C'est moi où le bas de cette porte est cassé. Ça doit être moi. Qu'est-ce qui fait ce bruit de merde? Ils sont tous morts, c'était mes camarades! Mais qu'ai-je fait? Désolé, ça me fait toujours. Qu'est-ce que tu regardes, Léon, bordel? Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête de Léon? Pourquoi il y a des quilles? Tu peux pas prendre les menottes pour choper quelqu'un après? Parti pour les bureaux des stars. Tous baissés à l'épaule droite. C'est vrai, c'est étonnant. Waouh! Shotgun! Wouhou! Ils ont le même casque que moi. Je le prendrais bien, mais je ne peux pas. Je suis obligé de dire non, désolé. Parce que j'aurais bien besoin de munitions pour le jeu de gueule. Putain, une guitare, mais trop. Ce bureau est désorganisé et mal rangé. Ça doit être certainement refléter l'identité de la personne. Enculé. Pourquoi tu dis ça, fils de pute? Mon dieu, un petit carnet de Chris. Putain, c'était Chris. Putain, comment il se foutait de la gueule de Chris. 8 août. Non, pardon. Août 8th. J'ai parlé encore au chef aujourd'hui et il refuse de m'écouter. Je sais que Umbrella a fait des recherches sur le T-virus dans ce manoir. Et que tout le monde qui était infecté s'est transformé en zombie. Mais ce manoir a explosé, avec de même les évidences. Merci, Jill. Depuis qu'Ambrella emploie tant de personnes dans la ville, personne ne veut parler de l'incident. On dirait que je suis en train de courir en dehors d'options, quoi. 17th. Oulala, on a reçu des tas de reports, apparemment des monstres qui apparaissent un petit peu, etc. Ça doit être à cause d'Umbrella. 24th, avec l'aide de Gilles et de Barry. Putain, Barry, quoi. Enculé de Barry. J'ai finalement obtenu des informations vitales sur ce cas. Umbrella a démarré une recherche sur le G-virus, une variation du T-virus. Est-ce qu'ils n'ont pas fait assez de dommages? On en a parlé un petit peu et on a décidé de aller en Europe, à Umbrella. Désolé, Claire. Mon dieu. Oh, la licorne. Et la petite licorne, je suis obligé de la prendre. Oh non, Claire. Léon.
Hey Lily, on s'est dit comment on s'appelait? Ah oui, c'est vrai qu'elle a dit Claire Lafitte. Il a touché son sein. C'est bien que tu vois qu'il a toujours envie. On dirait qu'on va pas trouver ton frère ici après tout. Il est mort! Regarde ce carnet. Comme une petite fille, il tenait ses notes dans un petit carnet. Il n'y a pas de raison pour rester ici plus longtemps que prévu. Ah, on se sépare et on cherche les survivants et on se barre d'ici. Ouais, t'as raison, séparons-nous comme des connards. Une dernière chose. Ceci est d'une radio, prends-la. Qu'est-ce qui dépasse de son épaule? Comme ça, on peut garder en touche. Je peux pas croire. De rien, Mister. Je ne peux pas croire que ça arrive, Tidor. Et si ça arrive, regarde. Incroyable, non? Un bureau pareil, foutu. Vous savez combien ça coûte chez Ikea, une merde comme ça? Putain. Et une pub pour la NRA gratos. Nous, on aime bien la NRA. Chez... C'est qui fait ce jeu? Ça doit être Square Enix. Marksman contexte, Chris Redfield. Chris Redfield, il savait bien tirer, rappelez-vous. C'est pas lui qui n'arrivait pas à tirer sur le monstre de fin et que c'est finalement Gilles qui l'a achevé avec un lance-roquette? Je crois que oui. Enfin bon. Sauvegardons. Voilà. Allons mettre la licorne là où elle devrait être depuis le début. Allons d'abord voir au bout du couloir. Dans cette porte qui me paraît étrangement chelou. C'est fermé. Eh bien, va te faire foutre. Putain, c'est vrai que ça a l'air tout le jeu, j'avais oublié. T'as un capté de cool, la prochaine fois. Prochain tournage, tu fais ça. Tu cours à donf à côté d'un mur, comme ça. Ce qui est méga dangereux et je pense que tu te casseras une jambe. Mais j'aime bien comment il descend comme un poulet. C'était pas ici qu'on sauvegardait? Je sais pas, on va checker. Hop. On va se séparer de notre herbe. On va garder le FAP. Quoique... Oh si, il donne de la santé quand même régulièrement, en vrai, il n'y en a pas trop de risques. J'ai pas de photo, non, j'ai pas de photo. C'est parti. Non, je venais de là. Hop, on retourne à la licorne, du coup, c'était dans l'entrée, la fontaine. Putain, on peut trop vite le rater, n'empêche. Ah, d'ailleurs, oui, X-Files, vous avez vu que ça allait reprendre. C'est cool ça, non? Ah putain, c'est quoi ça? Ça m'a fait peur, quoi. Ouah, mais c'est quoi ça? Arrêtez de me secouer, mon dieu! Je suis sûr que ça m'a blessé. Non, même pas. Fini le live vers quelle heure, je suppose? Ça fait 1h14 qu'on a commencé. Bah, bientôt. De toute façon, je dois pas me coucher trop tard, je dois encore bosser. Bah ouais, ils reprennent X-Files. Bah là, bientôt, le tournage reprend bientôt. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Et voilà. Putain, une vidéo quoi. Bing. Waouh, ça tombe pile. Ils ont prévu des trucs de ouf quand même dans ce commissariat. Hein. C'est la Képénienne.
Du coup, la clé pénienne, elle ouvrait la porte, d'accord. Okay. Il y avait déjà des doubles portes, ouais, tu ne suis pas du tout les lives. Comme Twin Peaks, ouais. Mais c'est bien qu'ils fassent ça. Bah, moi, j'ai toujours adoré l'ambiance qu'il y a dans les X-Files, mais j'ai jamais regardé. Et je le regrette. Ouais, j'étais à PC, ouais, bientôt. On fera des petits lives dessus, vous inquiétez pas. On va bien s'amuser. Une mèche photocopieuse. C'est étonnant qu'ils mettent copie machine et pas Xerox, mais c'est peut-être parce que c'est un jeu japonais. Visual Material. C'est le nom de mon film. Visual Material. Alors, rapport de patrouille. Patrouille le 21 septembre. J'ai reçu des reports de suspicion d'un mec qui se baladait dans les égouts. J'ai cherché et j'ai trouvé l'individu, mais il s'est barré avant que je le questionne. J'ai retrouvé les items suivants. Du C4, un détonateur électronique, du parabellum, des 9, enfin 9 x 19 balles de parabellum, Donc tout le monde se balade en fait avec 200 balles, 200 balles sur soi quoi. Et un zoom infrarouge fermé. Cassé, pardon, fermé. Oh mon dieu, il y a une clé en haut. Je suis d'accord, Nemeth. Là, je suis en train de regarder, d'essayer de regarder comment s'appelle machin là. Surnatural, et c'est assez dur à suivre. Parce que, en fait, les épisodes ne suivent pas et. Il n'y a pas d'histoire générale, et le truc c'est que en plus, les épisodes sont très bateaux. Ils ne servent pas à construire la série du tout. Ça avait fait le même problème avec Stargate. J'ai pas de problème avec genre les contes de la crypte, par contre je peux tout regarder. Mais là, j'ai un peu de mal, je sais pas. J'ai trouvé quoi? Une manivelle. Une manivelle. Voilà, si un fil rouge, ça peut passer, tout à fait. Une manivelle. Manivelle. Et les filles d'à côté dans tout ça. Putain, j'avoue que je vois pas à quoi elle sert la manivelle. Seigneur des proutes, tu as un putain de pseudo, effectivement, Captain Cool a parfaitement raison. Ah merde, c'est le diamant ici. Cette manière de courir de Chris Redfield. Chris Redfield, pardon. C'est pas Chris, putain, c'est Léon. Je dis de la merde. Captain Cul. Ça sonne bizarre. Peut-être qu'en utilisant la manivelle sur cette porte fermée. J'aime bien les raisonnements de mecs bourrés qui n'ont aucun sens. 2016 pour la suite de Sherlock, ouais. C'est vraiment une purge. Mon dieu, les cadavres ont disparu. Je suis déjà allé là. Mais je peux reprendre ça. Ce qui ne me servira pas à grand chose, mais
Si je me fais attaquer par un Strum, ce qui va arriver à tous les coups, ça pourra m'aider. C'est parti. Oh la vache. Je vais prendre une petite boisson et on peut tous manger ensemble comme ça. Non. Ça va être très dur de passer là. Ok, donc ça ne marche pas. Ah, attendez, je peux mettre le mode analogique? Ça ne marche pas. Non. Alors c'est F3 pour charger. J'ai déjà fait, mais pas en live effectivement, Captain Cool, mais j'ai peur de le faire en live parce que je m'en souviens quand même vachement bien. Ah, vous tombez tous dans le piège du couloir, bande de cons. Ah, je me doute que juste courir ça passe, mais j'avais envie de tous les tuer. J'aime bien les tuer. Putain, même les putains de bureaux sont fermés, quoi. En fait, c'est vrai que le début est un peu lent. C'est ça mon problème avec le jeu. Cher Captain Cool. Mais en dehors de ça, le jeu est très cool. Putain, j'arrête pas de me tromper de touche. Ouais, des balles. Bah voilà, j'ai récupéré les balles que j'ai utilisées sur eux, c'est bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? pardon. Oh mon dieu, une bibliothèque géante. J'adore la bibliothèque! Je pourrais trop courir comme un fou. Aucun de ces livres ne semble pratique. Je vais tous les lire quand même, par acquis de conscience. Cette pièce ressemble étrangement à la pièce où j'avais tué un serpent. Bon, il y a des plantouses. Il n'y a pas d'électricité, c'est ça le truc. Ça ne semble pas fonctionner. Ça passe de chimie, c'est bien. Mais Léon n'en a rien à foutre. Léon... Oh mon dieu, Léon est tombé. Ah bravo Léon. Bravo monsieur con. Ok.
va essayer de reproduire ça. Donc, celui de gauche, donc c'est bleu jaune, jaune bleu, bleu jaune. Bleu jaune, ah. Celui-là n'est pas bon et celui-là non plus. Toi, tu dois aller à droite. Et voilà. Facile. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, c'est le plug de Bishop. Sachant que Bishop veut dire prêtre, c'est un plug de prêtre. Mon dieu, qu'est-ce que c'est qui se passe dans ce monde horrible? Ah, cet escalier me résiste. Incroyable. La porte s'ouvre avec un bruit bizarre. Ok. Il y a rien là. Cette scène ne sert à rien. Par contre, je vois que ça fait bientôt une heure et demie qu'on fait, qu'on est en live, ça va bientôt s'arrêter du coup, hein, je vous préviens. On va un petit peu discuter avant la fin, mais ça va s'arrêter. Oula. Oula. Qu'est-ce que... Oh! Je me doute de ce qui va ici. Voilà. Pas trop d'aigle, jeu vidéo, je t'ai résolu. Sans même avoir compris ce qui se passait. Mon lieu, encore des marches! Et mon ombre qui me rattrape. Putain. The Gears are clean. Donc c'est ce suisse. Yes! Ah oui, il manque un gear. Clairement. On peut voir qu'il manque un gear. Mais je n'ai pas de gear sur moi. Mon dieu. Mon dieu, comment vais-je faire? Je n'ai aucune idée de trouver un gear. Là peut-être. Mais il est beaucoup trop gros. On verra. Sur ce, eh bien je vais hop sauvegarder save state slot 1 et je vais quitter. Je sais pas comment on fait pour quitter autrement que comme ça, on va le faire à l'arrache, hop, exit. Et voilà, nos amis exit. Du coup c'est cool. On a bien avancé et j'aime vraiment bien le jeu. Je trouve que l'ambiance est. Enfin, j'étais pas partant. Et finalement, l'ambiance est encore plus intéressante que dans 1, je trouve, le côté ville et tout. Enfin, c'est cool, vraiment. Sinon, du coup, pas de live dimanche. Comme je vous l'avais dit, je suis en Bretagne à partir de demain. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin de Lannion, ou pas très loin, n'hésitez pas à venir me voir à Fest for Game. Je ferai une conférence dimanche à 15h. Sinon, je serai là tout le week-end. Je vais faire des parties de jeux de rôle. Je vais faire des parties de loup-garou. Je vais faire des parties de jeux. Je vais discuter avec vous. Donc, venez, n'hésitez pas. C'est ma première partie, effectivement, à Lucard of 62. 62, quoi. Putain, je parle vraiment comme de la merde.
Mais j'ai hâte d'y jouer un peu plus. Et voilà, là ça va, les contrôles, je m'y suis fait. Donc tant mieux. Bon, après, je joue en mode facile, c'est peut-être ça aussi, hein, qui aide. Dimanche, je suis à l'église avec le plug de Bishop, mais tellement. J'ai pas réussi à accrocher aux dernières séries d'essai. Il paraît que Daredevil, la série, elle est vachement bien. Je vais essayer de regarder là, les 5 premiers épisodes qui ont été disponibles pour la presse. Mais il paraît que c'est vachement bien. Tu viens parfois dans le 62. 62, c'est quoi? C'est la Picardie? Je sais pas du tout ce que c'est, le 62. L'Aisne? Je sais pas. Maxime ne connaissait pas les départements et les régions. Généralement, il disait le nord, le sud, l'est et l'ouest. Pas-de-Calais, d'accord, je ne sais pas. C'est la pompe à fric de Sid Power. Donc voilà. Sinon, l'Aisne, c'est le 02, je sais que peut-être. Mais j'ai un peu chié. Alors, bien des insultes, Gobi Game. 6 enculés, 2 culs, 17 putains, 6 merdes, 2 cons, 2 saloperies, 2 chiés, 2 rien à foutre. Pour un total de 9, 29 insultes. C'est pas extrême, mais voilà. Mais en tout cas, avec Manra, tu as pris un bon relais à Dark Legend So. Badass. Ordre alphabétique, mec. Ouais, ça se tient. NC02, un cul, c'est juste à côté de ton putain de 51. Eh! Je suis 0,8, moi je suis pas 51 d'abord. Mais effectivement. Alors, je ne suis pas nul en géographie, mais est-ce que c'est de la géographie que de connaître les numéros de région? Je ne pense pas. Savoir où elles sont, oui. Mais connaître les numéros, je ne sais pas. Je suis pas 10,51. Du coup, on se voit la semaine prochaine, certainement mercredi pour la suite du Globi Epic sur Super Castlevania 4, sachant que je suis déjà au niveau 6, je crois, ou 7, je sais plus. Et il avait l'air horrible, il y avait des lapins tueurs. Eh bien, Mister Gège, ravi de t'avoir fait rigoler. Et j'espère que vous êtes bien amusés. Moi, je me suis bien amusé, en tout cas, c'était cool. Effectivement, avec Menra, c'est vachement plus simple en Belgique. 08, c'est quoi? C'est les Ardennes. On apprend les numéros de région au Québec en géographie, c'est cool. Projet fantôme. Alors, le projet fantôme, il n'y en aura pas avant juin-juillet. Là, la semaine prochaine, il devrait y avoir McCornish épisode 2. En mai, il devrait y avoir McCornish épisode 3. En juin, McCornish épisode 4. Et oui, la régularité arrive enfin, après des mois de travail. Alors, vous attendez pas trop à de la régularité quand même. C'est possible que ça qu'il y ait une couille dans le piano, mais normalement, ça devrait bien se passer. Feras-tu RE3 dans la continuité du 2? Je pense que oui. Mais je dis pas que je vais faire à la suite. Mais tu vois, là, par exemple, j'ai fait ça. Je crois que j'ai fait d'autres trucs avant en Globi Aurore. Non, peut-être pas en fait. Si, j'ai fait un autre Resident Evil. Mais bon, voilà. Et je pense faire tout ça. Donc voilà, après, il va y avoir le PSF, donc le projet SF que vous verrez peut-être bientôt. Quand je dis bientôt, n'attendez pas ça avant mai, voire juin. Et puis après, il y aura Oxide à la fin de l'été. Donc voilà. RE3 encore plus cette ambiance de vie, justement, d'accord. J'ai fait RE6 en Globi Game moins, effectivement. Et j'ai fait RE4 le début, mais on continuera la partie, j'ai pas supprimé, hein, je crois pas. Voilà, j'ai déjà fait RE6, mais en Globi Game moins, c'était vraiment une purge, donc je n'y jouerai jamais. Voilà, je ne ferai pas l'intégrale des Resident Evil. Je ferai certainement le 3, certainement Code Veronica X, c'est ça, je crois le nom. Et certainement aussi. Bah du coup le 4 en entier. Bonne nuit à tous. Est-ce que tu fais du XL, Nel? Je ne pense pas. Tu vas faire que du Véronica. Mais si j'ai vu ta vieille vidéo dans une grotte hantée il n'y a pas longtemps, j'étais MDR. C'est pas si vieux que ça, hein. C'était en octobre, 31 octobre, donc presque novembre. Mais regarde celle dans le château, tu verras, c'est marrant. La suite, projet fantôme, épisode 2. Bon, non, je ne suis pas fan de Kaamelott, faudrait que je regarde. Désolé, Nel, alors.
Les jeux post-apocalyptiques, ça donne envie de faire de l'exploration urbaine. Ouais, c'est pour ça que j'en fais. Bonne nuit à tous, bonne nuit, Seigneur des Proutes. Surtout à toi, j'ai envie de dire. tu as un putain de pseudo. Et je vous laisse tranquillement sur la musique de fin des Gloobie Roar. Qui est où cette musique de fin, bordel de merde? Je ne la trouve pas. Elle est là, elle est bientôt là. Elle est là. Voilà. Gloobie Roar, outro. À bientôt. Si vous voulez, après on pourra faire en globiciné, comme c'est pour des nanas, on pourra regarder tous les films Resident Evil.